Bonsoir à tout le monde. Salam alaikum. C'est ma santa. Binitu, binitu de ma santa. Antena, Koumaladien est là. Vous dit bonsoir. Et ce qui était resté du direct de ce soir, là, nous allons le faire tout de suite. Là. Bonsoir, j'ai de Hongrovogui. Bravo, Alpa. Comment vas-tu? Bonsoir. Partagez, mettez les cœurs. Dans ce petit direct, nous allons d'abord faire lecture de deux déclarations, en même temps rappeler certains perdus par rapport au 5 septembre. Nous allons prendre la vidéo de notre tonton, notre grand frère, M. Souma, depuis le Sénégal, qui était là, qui a été l'un des piliers des différentes élections du professeur Fakonde, le président de la République. Bonsoir, mon grand frère Eskanti. Bonsoir, Souleymane Maha et Forédé, comment vas-tu? Donc, Bala Kanté, salam alaikum. Nous allons faire réécouter la sortie du tonton Souma, que personne ne peut s'aventurer à manquer de respect dans ce pays. Parce que s'il y a quelqu'un qui connaît ce pays-là, il fait partie. Les 5 premières personnes qui connaissent ça, les menteurs, les faux politiciens, les vrais politiciens et l'histoire politique de ce pays-là, c'est ce monsieur-là, monsieur Souma. Vous le connaissez très bien. J'ai vu une vidéo, on me l'a envoyée, que selon les blogueurs du RPG, disent souvent qu'il y avait l'argent à la banque centrale, patati patata, des trucs comme ça. Et bon, il n'a pas le niveau parce que il s'est énervé après parce que lorsque quelqu'un lui a posé la question de savoir s'il y avait 0 franc à la banque centrale, il dit il n'y avait pas d'argent, que Doumbouya n'a pas trouvé d'argent à la banque centrale. Et il lui a posé la question de savoir le carburant qu'on donnait au Mali et autres là. Oh, puis il s'est énervé. Le gars, il parle, peut-être tellement le monsieur là connaissait très bien ce qui était à la banque centrale. Au fur et à mesure, on continue à lui poser, il s'est énervé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a quitté le panel. Donc, les gens pensent que tout le monde est bête sur la toile, les gens, la façon dont certains sont aveugles sur Bamadi, parce que c'est un mandingue, non? Nous sommes des mandingues, mais on ne le suit pas. Nous sommes des mandingues, mais ils ne nous intéressent pas. Nous suivons des personnes propres et limpides, des personnes claires, des personnes qui n'ont pas de situation douteuse. Ou l'important, s'il y en a. Mais bien avant que je vous montre la vidéo, je voulais juste m'adresser au RPG Arc-en-Ciel, à l'IFDG et à l'UFR. Parce que, je le dis, hein, que ça fâche ou pas, ce n'est pas mon problème. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres partis politiques. Mais en Guinée actuellement, là, les 3 principaux partis politiques qui font vibrer la politique, c'est le RPG, l'IFDG et l'IFR. Donc, j'en appelle, je demande sincèrement aux leaders de ces 3 partis politiques, à la direction ou bien les directions de ces 3 partis politiques, de se préparer. C'est-à-dire, nous les supplions, nous les demandons de se préparer. Parce que ne laissez plus les activités de réaction au Forum des Forces Sociales, au FNDC et autres. Vous devez maintenant être, c'est-à-dire, l'orchestre. Parce que les forums des forces sociales, le FNDC, sont les instruments. Mais l'orchestre, parce que c'est pas eux qui vont aux élections. Voilà, Nabi Ndiaye, ce n'est pas le forum des forces sociales, le FNDC, qui vont aux élections. C'est vous, les 3 partis politiques, qui vont aux élections. Donc, ce petit message, entre parenthèses, c'est pour vous dire, les gens sont motivés pour le 31 décembre. Les gens sont déterminés pour le 31 décembre. Et vous avez vu le message venant même de nos autorités politiques que Doumbouya avait instauré un couvre-feu pour 3 jours à partir du 31, premier le 2. Et donc, ça c'est pour dissuader. Vous savez aujourd'hui que la peur, nous avons installé la peur, nous avons fait changer des doutes. Aujourd'hui,
Ceux qui disaient que Doumbé est un garçon, c'est une femme, se rentrer comme ça, il y a les forces spéciales. Vous avez vu aujourd'hui que l'image des forces spéciales, cette image qu'on véhicule des forces spéciales, ne passe plus. Les gens sont déterminés. Aujourd'hui, là, partout, marche haut. Même dans les maquis à Conakry aujourd'hui, il y a quand même bientôt le 31 décembre. C'est comme ça, on le dit dans les maquis, dans les bars, même dans les motels où on envoie les filles du CNRD, les autres, là. Ah, dès qu'une bam du CNRD part dans un motel avec une fille, ah, on amène à Sokono, quoi, et là, qu'on y a même bientôt le 31 décembre. Et qu'est-ce que les gens font? Et qu'est-ce que le gars a tout de suite là, le gars a peur. Tout de suite, il a peur. Vous avez vu les discours par-ci, par-là, les spécialistes. Hein? Les spécialistes. Brigitte, comment vas-tu? Les spécialistes parlent, nous parlent, nous détaillent l'inutilité du CNRD. Ils disent parce que le CNRD ne compte que sur quoi? Le CNRD ne compte que sur Simandou 2040. Mais vous avez vu aujourd'hui, les gens sont en train de s'attaquer à Simandou même. À Simandou. Ils sont en train d'expliquer aux Guinéens que ce Simandou-là ne va rien vous donner. Les gens sont en train de vous détailler. Hein? Les gens sont en train de vous détailler que les 15% de Simandou-là, les 15% de Simandou ne concernent que une fine partie. Les mines nous appartiennent. C'est pour nous, le mont Simandou. Mais dans ce mont Simandou-là, il n'y a que 15% qui nous appartient. Vous savez le pourquoi? C'est parce que nous n'avons rien à mettre sur la table pour discuter avec les financiers. Parce que, en discutant des questions minières, il faut que tu aies quelque chose dans ta poche. Arriver tout autour de la table, ton argument passe. Mais si tu n'as rien là, arriver tout autour de la table, tu perds en valeur. Parce que, au fait, toi qui parles, même si c'est pour toi, tu peux pas exploiter. Tu peux pas exploiter, tu n'as pas les moyens, tu n'as rien. Frère Saka, comment vas-tu? Tu n'as rien. Tu n'as rien. Tu peux pas discuter. Donc, cher parti politique, si les gens ont eu la volonté, le cœur, le courage, les spécialistes, vous avez vu aujourd'hui, ce sont les médias étrangers qui nous aident. Ce sont les médias étrangers, les médias sénégalais. Allez-y. Vous avez vu la situation du zéro covid détaillée dans les médias sénégalais. Mais redescendez sous terre. Mais qui peut aller? Vous avez vu pourquoi les partisans d'Oumé n'insultent pas le Sénégal? Le Sénégal est un état démocratique. Est-ce que moi, Benito, je peux me permettre de dire aux Sénégalais de l'affirmer? Je ne peux pas. Le Sénégal, hein? Le Sénégal est un état démocratique. Le Sénégal véhicule la démocratie. Le Sénégal mange, respire la démocratie. Mais si les médias sénégalais détaillent, partagent, faut de Cambaya, comment vas-tu? Les médias sénégalais disent que c'est quelle malédiction qui s'abat sur la. Mais c'est ça qu'ils ont dit. Quand ils ont dit, mais bon Dieu, quelle malédiction! Qu'est-ce qui s'abat sur le peuple guinéen? Le gars a répété 8 fois, il a trouvé 8 mots. Brigitte, ma sœur chérie, comment vas-tu? 8 mots! Hein? Vous comprenez? On dit, mais la Guinée-Conakry, que nous connaissons, le gars est en train de citer, magnifier notre pays. La Guinée de la pluie, la Guinée de source d'eau, la Guinée de. La Guinée. Mais qu'est-ce qui s'abat sur ce pays-là? C'est quel malheur! Voilà pourquoi hier, là, je suis allé prendre. C'était sur la télévision sénégalaise. J'ai pris la partie de l'intervention de la dame française là qui parlait. On dit quand Doumbouya, les gens manifestent pour toi, ils meurent. Les gens manifestent contre toi, ils meurent. Les gens manifestent pour toi, hein, ils décèdent. Je suis allé prendre ça là-bas pour vous donner. Parce que tellement, c'est un malheur, c'est une malédiction. C'est-à-dire, vous êtes contre Doumbouya, vous mourrez. Et c'est vrai. Maintenant, vous êtes pour lui encore, et vous allez, vous êtes pour lui, et puis vous décédez. Là, c'est pas lui qui vous tue, hein. Mais dès que vous parlez de lui, vous mourrez. Est-ce que vous comprenez? Et puis, ce qui est, le gars est allé loin, il dit, mais, apparemment, tous ceux qui aiment Doumbouya là, une fois qu'ils s'affichent avec Doumbouya là, leurs problèmes commencent.
Je ne sais pas si vous comprenez. Les gars, j'explique ça, hein. C'est les médias étrangers qui font des bonnes analyses. Ils disent que, attention, tu as ta vie avec toi, tu as ton projet. Dès que tu t'accroches avec Doumbouya, c'est-à-dire tu viens, tu t'affiches à Doumbouya, tu parles de Doumbouya, tu prends Doumbouya comme amour, et directement un malheur s'abat sur toi. Au fait, Doumbouya en personne, c'est quoi? Il est qui même? C'est quoi ce monsieur? Voilà les débats à l'international. Et avec ça, là, les gens ont la mémoire courte. Hein? Avec ça, la mémoire courte. Donc, chers partis politiques, vous devez anticiper les choses. Je le dis, RPG, l'IFDG, l'IFR, vous devez anticiper les choses. Ils ont trop peur. Actuellement là, fouillez partout, même les différentes familles. Les différentes familles des membres du CNED qui venaient en vacances. Il n'y a pas un Guinéen qui n'a pas annulé ses vacances au mois de décembre en Guinée. Il n'y en a pas, hein. Demandez à un ministre s'il y a un membre de sa famille vivant à l'étranger qui veut venir pour les vacances. Non. Ils ne veulent plus. Ils sont là aux États-Unis, hein. Ils ne vont pas, hein. Ils ne font pas, hein. Et puis, ce que Frère il le dit la dernière fois, c'est la vérité, c'est vous partez partout en France. Vous partez en France aussi. Les demandeurs d'asile, c'est les membres de la famille, ou bien des familles, des membres du CNRD. Et puis, qu'est-ce qu'ils disent? Ce qui est vrai, que vous aimez ou pas, c'est la vérité. Vous comprenez? Ils disent qu'après Doumbouya, là, à Mako Brassa, vous comprenez ça, Malinké? Après Doumbouya, là, à Mako Brassa. Ah bon, ils savent ça. C'est à cause ça, ils font du mal aux enfants des gens. Ils disent qu'après Doumbouya, là, c'est fini pour eux. Qu'après Doumbouya, là, c'est fini pour eux. Donc, ils cessent les papiers, ils cessent l'exil. Ils cessent les papiers parce qu'ils savent, après Doumbouya, là, ils ne peuvent plus venir dans ce pays-là. Parce que il y a un travail qui est en train d'être fait en douceur dans ce pays-là. L'identification des membres du CNRD, les familles des membres du CNRD, les collaborateurs du CNRD, tous ceux qui ont touché le mot CNRD là, sont en train d'être arrêtés dans ce pays-là. Vous comprenez? C'est ce que Ben Fatim dit comme ça. Quand les gens manifestent contre lui, on le tue. Et quand les gens manifestent pour lui, il meurt. C'est quoi, au fait? Ça, au fait. Donc, chers frères et sœurs, préparez-vous. C'était mon message pour les principaux partis politiques. Nous sommes derrière vous, hein. Nous sommes des démocrates. L'IFDG, le RPG, n'utilisent pas les armes pour arriver au pouvoir. Les gens, là, ils vont aux élections pour arriver au pouvoir. Moi, j'ai dit à Doumbouya, à tous ces partis, à tous ceux qui aiment Doumbouya, là. Malgré qu'un monsieur a déshonoré le peuple qu'on appelle Baouri. Baouri aujourd'hui, c'était le comble, le cynisme aujourd'hui. Lorsqu'il a intervenu sur RFI, il dit qu'ils sont en train de voir. Hein? Il dit qu'ils sont en train de voir. Ils sont en train de voir quelles étaient les causes de ce qui est arrivé. Et comment... Non, Baouri non. Baouri a déshonoré aujourd'hui le peuple. Voilà. Rosaline, comment vas-tu? Donc, nous allons écouter notre grand. Écoutons-les, s'il vous plaît. Quel est taro? Parce que même quand allons, ou le calon. Même quand allons, ou le calon. Donc, écoutons les connaisseurs. Nous sommes des enfants. Eux là. Et puis, c'est un des neveux de l'ancien raconté. Ils connaissent bien ce pays-là. Merci, Carl Johnson. Thank you so much. Partagez! Voilà, on dit de mettre les cœurs. Frère Carl dit de mettre les cœurs. Je vous ai déjà dit ça, vous n'aimez pas mettre les cœurs. Et les vidéos sont signalées. D'abord, vous ne partagez pas, et puis vous ne mettez pas les cœurs. Et puis, vous savez, la façon de vaincre, là, c'est de prendre les vidéos envoyées dans les inbox des gens, là, des supporters du CNRD. Vous ne faites pas ça, hein. Moi, quand je finis, je partage, je balance. Quand ils voient ça, ils sont fâchés comme ça. Oui. Et ils ne peuvent pas me bloquer. Voilà. Il y a une vidéo qui circule actuellement là. La vidéo là, c'est la dernière vidéo des événements de Zérékoré. Quand vous écoutez là, on dirait une purge. Donc, on va suivre d'abord le grand frère là. On va suivre tonton. On va suivre. Voilà. Ça, c'est pour vous, hein. Comme, voilà. Bon.
On va laisser ça. Sinon, la vidéo est là. Attends, je vais montrer la vidéo. Vous allez reconnaître la vidéo. Le voici ici. Mais il n'y a pas de volume, quoi. Voilà, il n'y a pas de volume. Je ne sais pas, qu'est-ce qui est arrivé? Ce n'est pas grave. Je vais balancer sur un autre compte là et puis ramener comme ça. Nous allons faire passer ça demain. Bon, on laisse ça. Donc, je voulais vous montrer ça là aussi. Mais je crains beaucoup pour. Allons lire ça rapidement. Non, vous n'allez pas entendre. Je vais lire ça rapidement. Voilà. Je vais lire ça rapidement. Voilà. L'édito, voilà, j'ai pris ça aussi, c'est les Sénégalais. Parce que les Sénégalais, là, ils disent la vérité. On ne peut pas les attaquer. Écoutons ça. Mon général Mamadi Doumbouya, président de la transition de Guinée, votre gouvernance est celle que je rejette et je souhaite que toutes mes forces. Excusez-moi, je rejette et je souhaite de toutes mes forces de la voir prendre fin dans l'intérêt de la stabilité et de la continuité de notre État. Cependant, cette opposition que je dresse contre votre régime, aussi dure que celle puisse paraître, ne me permettra pas de cautionner une quelconque injustice vous concernant. Même si mon envie de vous voir payer vos dettes devant les juridictions de notre pays est certaine, ce n'est pas pour autant que j'apprécie une injustice vous concernant. C'est pour cette raison que je suis curieux de savoir dans quelles circonstances vous avez pris cette décision portant l'interdiction et le démantèlement des portraits des individus qui ont leur image associée à vôtre. Parce que, mon général, laissez-moi vous dire que les collaborateurs qui vous ont persuadé de prendre cette décision sont soit vos pires ennemis, soit ils brillent par leur incompétence, ou encore sont des complices de ces individus qui ont bâti leur propre empire à travers votre image. Sinon, comment peut-on expliquer ce revirement à 360 degrés après la tragédie du stade de 3 avenues de l'école? Mon général, ces gens-là sont désormais associés à vous et à votre bilan. Il serait absurde et dangereux de les accorder cette facilité de se soustraire au bilan de cette transition et des drames à l'actif du populisme orchestré autour de votre confiscation du pouvoir. Ces interdictions d'association d'images et de mouvements de soutien ont été interdites par décret ou par décision présidentielle à votre arrivée. L'audiovisuel de vos porte-paroles de la présidence de la République en font foi. Mais cela n'a pas empêché des adultes avec leurs facultés bien assises de procéder à l'élaboration des plans et stratégies afin d'accéder au budget de l'État pour bâtir leur empire sur votre réputation et votre responsabilité devant l'histoire. Devant l'histoire. OK. Aujourd'hui, suite à cette tragédie du tournoi doté du trophée de la Refondation, etc., ils viennent vous voir à l'abri des regards pour vous conseiller, pour ne pas dire vous intimider, vous intimer, d'interdire à nouveau ce que vous avez déjà interdit au départ. Mon général, s'il vous plaît, ne vous laissez pas manipuler à ce point. Vous avez commencé ensemble. Vous devez également continuer à apparaître ensemble jusqu'au bout. Ça, c'est vrai. Vous êtes désormais des compagnons de route. Il ne faut pas qu'ils vous abandonnent maintenant. Cette décision n'a rien de pertinent en ce qui concerne la réparation du dégât causé par ces mouvements qui ont entraîné ce drame. C'est à ce niveau que mon inquiétude monte en crescendo. Qui sont les conseillers de notre commandant en chef? En réalité, qui tire les ficelles de la gouvernance sous le CNRD? En somme, si vous voulez bien, mon général, revoyez cette décision, car même si le démantèlement des panneaux de vos images associées n'effacera pas les responsabilités de ces individus devant la justice et devant l'histoire,
Vous pourriez, nonobstant, contribuer à les effacer dans la mémoire collective, tandis que vous resterez à jamais dans nos souvenirs comme l'unique responsable de tout ça. Et ce serait bien dommage, sachant que vous n'êtes pas le seul dans le bateau. Mon général, ne facilitez pas le départ des rats du navire. Il ne peut pas, et il ne peut pas mettre les voiles si facilement à travers votre propre décision. Là, il m'a dit, voilà. Non, là, il m'a dit, pas ça, cousin, c'est trop facile. Vous avez vu ça, non? C'est un très bon édito. C'est-à-dire, ils sont en train d'enlever les images de Madi partout. Ce n'est pas le tournoi, ils ont demandé d'enlever son image partout. Cet homme l'a conseillé de ne plus s'associer à quelqu'un, qu'aucun ministre n'utilise son image. Mais c'est déjà parti. C'est déjà parti. Non, vous perdez votre temps. C'est déjà parti. Vous ne pouvez pas. Hey, laissez tomber. Voilà. Vous ne pouvez pas. Ce temps, c'est terminé. Vous ne pouvez pas. Donc, vous devez l'assumer. Vous devez l'assumer. Aujourd'hui, les derniers rapports finaux sont en train d'être édités par rapport au bilan exact. Je n'ai pas fait passer la vidéo à cause des images. Voilà. Voilà. Donc, il n'y a pas aujourd'hui. C'est ça. On dit même. Merci beaucoup. Voilà. Merci. C'est ça, même les Italiens. Il n'y a pas une chaîne aujourd'hui. C'est-à-dire, vous perdez votre temps. Voilà. Vous perdez votre temps. Mais ce qui est étonnant, même ce soir-là, on m'a appelé qu'ils sont en train d'enlever des images. Pourquoi vous enlevez ces images-là? Partout, il y a la photo de Mamadi, un ministre là. On dit d'enlever. Partout, il y a la photo de Mamadi, un conseiller communal. Pourquoi vous enlevez? Même les profils là. Moi, je vous ai déjà donné un conseil. Évitez en Europe d'utiliser l'image de Mamadi. Sinon, il m'a cobra ça. Il m'a cobra ça. Vous devez arrêter. Vous perdez votre temps. C'est que mon frère là, je vais essayer ça. Voilà, je vais essayer ça. Il m'a dit d'éteindre et de remettre. Voir. Merci, mon frère. Mais, oui, c'est vrai. C'est vrai, oui. Jusqu'au soir du 5 septembre, la Guinée économiquement parlant, vous pouvez consulter toutes les institutions internationales, était le pays le plus résilient par rapport aux crises sanitaires que le monde a connues. Oui. Jusqu'au soir du 5 septembre, donc, je vous l'ai dit, la Guinée avait une réserve à la Banque centrale d'1,5 milliard de dollars. Jusqu'au soir du 5 septembre, je le dis, le pays n'a jamais connu une telle performance économique. Ouais. Folio. Thank you.